Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme je vous avais dit sur la précédente, j'ai reçu une revue anglaise, donc je voulais vous la faire découvrir. Alors celle-ci par contre est une toute nouvelle, normalement oui, c'est ce que j'avais vu sur le site. Donc c'est le numéro 1. Et donc celle-ci, ça s'appelle Love Card Making. Voilà, si Fifi veut bien se toucher. Voilà, donc c'est une toute nouvelle qui m'a l'air très bien aussi, qui a toujours les cadeaux. Voilà, alors je vous montre les cadeaux de ce numéro. Alors on a une plaque d'embossage, voilà, vous voyez, super belle. On a des tampons, voilà, avec des papillons. Là en bas, il y a, comment on appelle ça, pour les abeilles, là, qu'il y a dans les ruches, les nids d'abeilles. Un nid d'abeilles, voilà, c'est ça que je cherchais. Après, il y a, non, Fifi, là, des petites branches de fleurs ou de feuilles. Après, il y a encore des mots. Alors, je vous les montre. Voilà. Donc, birthday, butterfly. Donc, il y a papillon, birthday, anniversaire, witch. Enjoy your day. You are my sunshine. Sunshine. Je parle toujours aussi bien anglais, hein, vous avez vu. Ah là là. Et on a les dies des papillons. Voilà, ici. Qui vont avec les tampons. Bon, Fifi, non, tu vas pas gratter tes puces devant la caméra, ça se fait pas. Il y a la maman. Voilà. Et donc la plaque, le casseur d'embossage. Alors, je vais l'ouvrir pour vous montrer un peu mieux. Allez. Désolé, il n'y a pas beaucoup de luminosité, temps pourri encore. Je sais pas. Dans le nord, il fait pas beau. J'espère que vous, là où vous êtes en vacances, ben, il fait beau. Hein. Voilà, donc la plaque d'embossage. Donc elle est, en plus, c'est bien parce que bon, c'est une carrée, donc c'est une 15-15. Donc nickel. Donc vous verrez après que je vous aurai présenté la revue, je fais donc une carte avec en direct, enfin en direct, je filme une carte que je fais avec avec ce kit. Voilà. Donc je vais vous montrer ce qu'il propose, ce qu'on peut faire avec. Comment, avec ce kit, voilà. Donc déjà celle-ci, voyez, trop mignonne. Là, les papillons, bien sûr. Trop choupinou. Celle-ci, j'adore. C'est trop belle. Voilà. Et comme d'habitude, hein, y a des modèles de cartes à faire. Donc c'est dans celui-ci, il y a 78. Il y a 78 modèles de cartes. Voilà. Toujours aussi belle. Hein. J'avais vu une chose, voilà, regardez, avec quand il nous reste ça brille, alors j'essaie de vous montrer, voilà, avec les chutes de papier, vous voyez, bon, elles sont super super belles comme d'habitude. Là, alors il montre celui qui va sortir au mois d'août, le Simplicard Papercraft. Alors il va y avoir, ça va être avec des bouteilles, ouais, des bouteilles, des genres d'étiquettes, voilà. Donc celui-là il sort le 10 août,
Voilà, et ça, c'est les cadeaux qu'il y aura avec. Voilà. Donc, non, ne te mets pas devant, merci. Il va y avoir du dies, du tamponnage, voilà, comme d'habitude. Là, en plus, avec les papillons, cette fois-ci, donc, tout ce que j'aime, voilà. Après, regardez. Là c'est dans un autre style. Alors je surveille ma caméra là, parce que j'ai un souci. En ce moment j'oublie tout, je perds tout, c'est une catastrophe. Je retrouve pas mon câble pour recharger ma caméra. Et les câbles téléphone ne vont pas dessus, donc du coup je suis bien embêtée. Donc il faut que je cherche après mon câble. Mais c'est beaucoup beaucoup les papillons cette fois-ci. Donc voilà, c'était donc la revue. Bon là j'en ai pas d'autres en ce moment qui devraient arriver, mais ça ne devrait pas tarder hein, que je recommande, parce que j'ai vu les nouveaux, ils sont vraiment pas mal. Et regardez ici, faire avec des boutons. C'est cool, hein? C'est rigolo. Donc voilà. Je regarde, mais donc celui-là, c'est celui qui va sortir en novembre. Voilà. Il parle déjà de celui qui va sortir au mois de novembre. Bon. Il perd pas de temps, hein? Donc voilà. C'était celui de cette fois-ci. Voilà, on pourra monter les cadeaux qu'il y avait avec. Donc, je vais vous montrer donc à la fin de la vidéo la carte que j'ai faite avec, avec ce kit. En même temps, je profite, si Fifi, regardez, voilà, elle est carrément couchée sur le sac. Ah, là, 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 là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Fifi? Et tu peux avoir mon sac. Fifi. Elle veut pas. Allez, hop là. Allez, mes mères. Hop. Alors, je suis allée ce matin à Furet du Nord. J'y vais jamais. Bon, j'étais voir pour, parce que j'avais pas envie de monter. Parce que, bon, mon médecin m'a dit il faut que je marche. Mon régime me dit aussi de marcher. donc bon, au champ c'est pas loin hein, moi c'est vraiment à 5 minutes, mais comme j'avais des papiers à la sécu à les donner et tout ça, donc j'en ai profité et j'ai fait le grand tour et je suis repassée par le Furet du Nord qui est dans V2 dans au champ, pour faire un tour et puis pour prendre ça, voilà, le papier pollen que j'utilise pour mes albums. Donc c'est du Clairefontaine, c'est du 210 grammes, voilà, donc c'est des noirs. J'en avais plus beaucoup, et comme j'ai vu que vous me demandiez toutes, enfin pas toutes, mais enfin beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un gros album, et de toute façon j'ai le projet d'en faire un, voilà. Ensuite j'ai pris, alors le pollen, chez eux, par contre il est plus cher hein, au Furet du Nord. Ah ouais, il est vachement plus cher. Il est 2 euros plus cher qu'à Cultura. Bah, si j'avais su, j'aurais pas pris. Mais bon. 9,19 € au Furet du Nord. Waouh! Ah ouais, ça pique. Ça pique. Bon, tant pis. Ensuite, j'ai pris. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Ça, normalement, ce sont des couvertures pour les rapports de stage. Voilà, donc j'en ai pris deux. C'est pour moi faire des shakers. Parce que je n'arrive pas à trouver des paquets de feuilles d'acétate. Je ne sais pas pourquoi. Alors, si certaines d'entre vous achètent des feuilles d'acétate, bah, dites-moi où. Parce que moi, j'en trouve pas. Voilà.
Et j'ai trouvé ça aussi au Furet du Nord. Bon, j'en ai pris deux, on verra bien ce que c'est avec. C'est des plaques de mousse, vous voyez? Non. Et donc, mes pailletés. Voilà. Non, Fifi! Mais voleuse! Voleuse! Elle veut me voler mes plaques. Alors, celle-là, vous voyez, une dorée et une rouge, pareil, brillante. Donc, c'est de la mousse. Je vais voir ce que je vais en faire. J'aurais voulu avoir du gris ou du noir, il n'y en avait pas. Mais c'est rien. Voilà. On va ranger tout ça parce que Fifi est dans sa crise de maman, j'ai envie de tout casser. Ah oui, je ne vous ai pas dit les prix. Alors, les feuilles, les couvertures plastiques, c'est 69 centimes pièce. Et les plaques de mousse pailletées, 1,29 € pièce. Bon, c'est vrai que de toute façon, le Furet du Nord, c'est pas un magasin pour le loisir créatif. Hein, donc, quand ils en ont, ils ont un tout petit rayon. Et il est extrêmement cher. Donc, voilà. Mais bon. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc là maintenant, ne partez pas. Vous allez pouvoir voir la carte que je vais faire avec vous. Et en même temps, je rappelle que il y a toujours le concours hein, qui a commencé hier pour les annonces de ma chaîne. Donc vous retrouvez le lien à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et à participer. Voilà. Je vous laisse regarder la suite. À tout de suite. Alors voilà, je vous fais une carte aujourd'hui, donc avec les cadeaux de cette revue que j'ai eu donc sur les revues anglaises. Donc je vous remontre la plaque. Voilà. Et donc je vais faire du blanc, rouge et peut-être du noir avec. Là, j'ai déjà une double carte. Donc c'est les cartes actions hein, 15-15. Et j'ai déjà coupé une dans du cardstock rouge, donc un carré de 14 sur 14. Donc ce carré, je vais le passer en embossage. Ma Big Shot. Voilà. Alors il y a un bordel monstre sur ma table. Parce que je suis en train de faire des cartes justement. Et du coup, c'est le boxon. Je la mets sur le côté parce que je vais encore en avoir besoin après. Voilà. Voilà ce que ça donne. Super beau. J'adore. J'ai quelqu'un qui frappe à la porte. Vous devinez qui c'est. Bon, on va mettre du double face que je n'ai pas pris sous la main, je crois. Ah oui, c'est vraiment le bordel. Oh, crime. J'en ai un là, ça va aller.
T'as pas, faut que je me mette à ranger cette pièce. Parce que là, ça devient grave. Même le ciseau il colle, il n'y a plus rien qui va. Vous entendez gratter à la porte? Mais là c'est tellement le chantier là que je vais pas la laisser rentrer parce qu'elle va se mettre les pattes dans la colle et tout. Et le pire c'est qu'elle dormait, hein. Elle était dans la pièce de l'autre côté, en haut du meuble, et elle m'a quand même entendu faire une vidéo. Donc, maintenant, les dalles papillons. Ah, je suis bête, j'aurais dû mettre mon ruban avant. Il y a toujours une solution. Voilà, ni vu ni connu.
peau de blanc sortie. Alors là, je la fais vraiment un peu à l'arrache, hein. puisque c'était pas prévu. Donc, ma pauvre Fifi. Ouais, si je mets à l'envers, ça fonctionne pas. J'espère que je ne me trompe pas. Le problème, c'est ça. Quand on doit mettre deux dyes. Voilà. Alors, je mets du washing tape. C'est pour pas que, que ça bouge. Voilà. Je vais en mettre en gros plan. Ça ira mieux. On va reprendre la Big Shot. Hop là. Oh, elle fait son poids hein, quand même. Et on prie que je me suis pas trompée de sens. Papillon, voilà. Non, super, c'est bon. Alors maintenant, c'est enlever ça sans arracher puisque j'ai besoin de la découpe. Et ça me redonne encore en plus un papillon comme ça. Alors attends. Donc, je vais pouvoir m'en servir. Bon, je vais la laisser rentrer parce que ça va pas être possible. Ah oui. Hop, voilà, va dans ta place. Donc maintenant, il faut que je recentre.
Voilà. Et voilà. Pas faire mon papillon. Surtout, parce que je vais en avoir besoin. Non, 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 non. Là, tu restes là, à ta place. Non, mais... pas béni. Ouais. Bah maintenant on va la mettre là, hein, puisque la fille est là. Non ma grosse, non ma grosse. Mais comment voulez-vous que je fasse? Non, Fifi, s'il te plaît, là. Voilà. Bon, j'ai mes papillons. Je vais vous les montrer. Voilà. Attends. Je vais mettre sur du rouge, vous verrez mieux. Donc je la découpe comme ça. Et du coup, je récupère deux découpes comme ça. Sur le rouge, comme ça, je les verrai bien. Voilà. Ça fait rien, j'ai des toutes petites taches de colle, mais avec les strass après on ne verra plus rien. Donc voilà pour l'instant. Fifi, hop, s'il te plaît. Alors maintenant, en parlant de Fifi, elle a une nouveauté maintenant. Moi, les animaux ne peuvent pas venir dans la chambre. C'est pas que bon, c'est surtout bah, pour être tranquille. Hein. Et maintenant, ce que Fifi fait, bah, le soir, alors elle fait semblant de dormir dans son panier. Et une fois que je suis installée dans mon lit, ben mademoiselle vient gratter à la porte. Voilà. Alors je suis obligée de me relever.
Et puis bah, du coup de la changer de pièce parce que sinon bah, elle va pas dormir et puis elle va m'empêcher de dormir aussi. C'est une chipie, mademoiselle. Hein? Non, tu me laisses finir ma création, s'il te plaît. C'est pas vrai. Alors là, je colle avec du Glossy Accents. Ça, c'est très bien comme colle quand on a des petites choses à coller, justement. Après pour les découpes. Donc maintenant on va tamponner. Alors. Quand c'est la première fois qu'on les décolle de la plaque de plastique, c'est galère. Hop là, voilà. Alors, qu'est-ce que je me dis? Regardez où on peut mettre ça. Ici. Voilà, on va faire pour bien tamponner. Que ça donne, alors un petit chiffon, une petite lingette pour le deuxième. Alors quand vous avez des grands tamponnages comme ça et que vous ne voulez pas bah, tout tamponner, washing tape, c'est ton ami. Voilà, vous voyez. Comme je ne veux que le texte du haut, voilà, je me dis washi tape au-dessus et ça toujours nettoyer vos tampons hein, avant de les ranger. Alors après ça colle plus et sinon oh là là c'est une galère. Eh ben tenez bien hein.
Il fait la cochonne. Bon, rien. Maintenant, on va décorer avec des perles. Alors, on va mettre quoi? J'avais des noirs, mais non. Voilà ce qui arrive quand on met pas son aiguille dedans. Alors cette colle là est bien, mais alors c'est ça, c'est toujours en train de se boucher. Hop. Allez, encore une petite perle ou deux et ma cape sera terminée.
Bon, là, elle est toute simple, hein. C'était juste pour vous montrer un peu avec les avec le kit ce qu'on pouvait, un exemple de ce qu'on pouvait faire. La caméra pour que vous voyez bien, voilà, et voilà. Bon, comme je l'ai dit, là elle est vraiment toute simple, il n'y a pas de, de fioriture, comme on dirait. C'est non, s'il te plaît, ne passe pas devant la caméra, merci. Donc, ce que j'aime bien, c'est le classeur d'embossage, il donne super bien. Bon, j'ai un peu merdouillé avec le tamponnage, mais j'aurais dû faire mes tamponnages avant avec ma fausse Misty. Mais bon. Ça va, bon, elle est belle quand même, hein? Ouais. Non, ça va. Donc voilà, comme vous l'aviez demandé, hein, vous m'aviez demandé de faire des cartes, et je vais vous en faire d'autres, hein, je vais vous faire d'autres tutos avec des cartes un peu plus spéciales, voilà. Là je vous dis, c'était une carte vraiment toute simple, hein, donc c'était juste décorer un fond de page, un fond de carte. Là, je vais profiter pour vous montrer celle que j'ai faite hier. Donc ça n'a rien à voir avec les revues anglaises, sauf le tamponnage, voilà. Donc, avec les dies, des petites abeilles, voilà. Et le fond, si vous voyez bien, est fait avec un classeur d'embossage de chez Noz. Voilà. Je me mets le scotch sur le bras, rien de pas. Voilà, donc celle-là, elle s'ouvre comme ceci. Donc j'ai fait celle-là et celle-ci. Ils sont jolies, hein, pour un petit garçon, peut-être. Voilà. Donc, elles sont dans ma boutique. Voilà. Elles sont en vente dans ma boutique, si ça vous intéresse. Au passage, de ma boutique... personne ne veut rien m'acheter. Sniff, sniff, sniff. C'est vilain, vilain, vilain. Voilà. Non, je boude. Oh, la folle. Donc, voilà. La petite carte donc qu'on aura fait ensemble. Voilà. Et que j'aime bien. Allez. Ouais, elle est pas mal. Alors... je vous mets tout de suite 2-3 photos en détail de cette carte. Et bien voilà, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Et ben, j'en avais pas, je crois pas que j'en avais déjà fait en direct avec vous, enfin en vidéo. Donc voilà, ben, si vous voulez que j'en fasse un peu plus souvent, ben, n'hésitez pas, hein, dites-le moi. Et je referai des cartes. Là, j'ai d'ailleurs le projet de refaire une carte avec une technique que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Donc, je ne vous en dis pas plus, hein, je vous laisse la surprise.
Et donc voilà. Fifi vous dit au revoir. Elle est énervée aujourd'hui. Elle est énervée, ma grosse. Ah, ma grosse est énervée. Ouais, ma grosse, elle est énervée. Je dis ma grosse parce que maintenant elle prend du poids. Ouais. Ouais. Tu fais la bagarre avec maman? Tu fais la bagarre avec maman? Oui? Hey! Elle est folle, elle est folle. Ce chat est fou. Ce chat est fou. Ce chat est fou. Ouais. Bon, allez, on arrête de s'amuser. Je vous embrasse tous très très fort et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!